Sans plus attendre, on va se lancer une partie en mode chacun pour soi. Vas-y, let's go. On va attendre que la partie se trouve et on est chaud. Combat à mort, château Guillard, Tracer, mode aviateur, on est là. Qu'est-ce qui va se passer, les frères? Le truc qui va se passer, c'est que tout simplement, on va tenter de gagner. On va tenter de gagner parce que est-ce qu'on est chaud avec Tracer ou pas? Est-ce qu'on est chaud? Est-ce qu'on blague, les frères? Le McCree, il est dans la merde. J'aimerais pas être à ta place, mon gars. Voilà, t'es mort. On commence avec le premier sang de la game. Oh, oh, j'ai failli me faire tuer par ces trucs de merde là. Vas-y, Rodoc, descends. Ok. Oh putain. En fait, dans ce mode de jeu, ce qui est traître. Oh, vas-y, tombe dans le vide, ça serait marrant. Non, what? Il avait un PV. Ça aurait été marrant que le Rodoc il tombe dans le vide. Ah bah tiens. Il est tombé dans le vide au moment où je l'ai dit. McCree, tu vas te préparer à te manger une bombe. Allez. Allez. Dans vos mères. Oh. Aïe. Par contre, il y a son frère McCree qui il a vengé son frère. J'espère qu'il n'y en a pas non plus beaucoup des McCree. Hein. Faut pas oublier que Tracer face à McCree, si le McCree gère un peu, ça peut être chaud. Hein. Non, il m'a volé le kill. Pour la paix, j'y vais te démolir. Espèce de satané cochon. Tueur de cochon. Cannibale, va. Non, mais non, putain. Je vous cache pas que j'ai pas non plus fait. Oh yeah, je lui ai volé le kill. Fatal. Je vous cache pas que j'ai pas fait non plus énormément de game, hein. Ça doit être ma quatrième game dans le mode de jeu, pas plus. Allez, je vais démolir. Il est où? Il est où? H. Aïe. Il m'a niqué au vol. Bon, ouais, je crois qu'on va le laisser tranquille lui, hein. On va aller chercher la bagarre avec le Rodog en bas. Mais en attendant, il est bien placé en haut lui, hein. Oh! Allez, Rodog, défonce-le! Eh, j'encourage les ennemis, tu sais. Allez! Par contre, maintenant que t'as défoncé le McCree, c'est à ton tour de mourir, mon gars. Allez, viens par là, mon gros. T'as les sacs de PV, quoi. Non! Putain! Mais. Eh, mais j'ai pas de chance! On va aller dans les catacombes. Non! Bon, les frères. Allez, dernière volonté dans ton cul. Toi, tu vas subir l'attaque de la Tracer ravageuse, c'est-à-dire moi, la lesbienne en colère, le mec qui te colle la bombe. Allez, dans ta mère. Et toi là, hein, hein. À ce qui paraît, tu parles mal de moi. À ce qui paraît, tu parles mal de moi. À ce qui paraît, je vise mal. À ce qui paraît, tu vas mourir. À ce qui paraît, t'as trop de PV. À ce qui paraît, je vais mourir, mais putain! Allez, Rodog, c'est pas bon ça. Hein. Tu perds trop de temps à tirer sur un Rodog, tu sais. C'est quoi? Voilà, dans ta mère. Voilà, ça va plus vite avec la bombe. Et encore, je me le fais voler, mais putain, mais c'est la foire au Rodog! C'est la foire au cochon! Mais je mange pas de porc! J'ai déjà dit que je mangeais pas de porc! Voilà pourquoi j'ai du mal avec les Rodogs. Je mange pas de porc, les frères! Allez, dans ta mère. Je les préfère bien griller avec la bombe, moi, les cochons. Même si j'en mange pas, comme j'ai dit. Bref. Petit point sur le classement, je suis actuellement en quatrième. Oh, putain. On n'a pas le temps de faire un point sur le classement, les frères. Plutôt m'attaquer au McCree avec les 200 PV. Oh, lui. Oh, lui. Oh, lui. Oh. 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 Allez. Allez, non. Et voilà, regardez, paf, je me le fais voler. Voilà, le Genji, il a fait un carnage. Oh, damn. Il y a trop de Rodog. C'est comme par hasard, la game que j'enregistre, il y a tellement de Rodog, c'est impossible. Allez. Oh, comment il a assuré. Bon, on va dire que c'est une défaite. Je suis arrivé 5ème sur 8. C'était pas énorme. Mais on peut dire en tout cas GG au Genji qui fait l'action de la partie. Regardez, il m'a tué en plus. Ah, le connard m'a tué. Oh là là, l'enfoiré. Bon, bien joué à lui. Il mérite sûrement sa victoire. Déjà au moins je suis content que ce soit pas un des Rodog qui a gagné. Bon bah maintenant je vous propose qu'on aille plutôt en 4v4 histoire de découvrir
ce mode de jeu ensemble. Oh, Anubis, ah, la game a déjà commencé, d'accord. Il y a 20 à 11. Donc vous m'envoyez dans une game qui est déjà perdue d'avance. Eh bien non, Boosty va quitter. Je veux que tous ensemble, vous criez, Boosty quitte. Bah oui, mais pas besoin de crier, pas aussi fort. Je quitte, c'est bon, salut. Non, je me casse, non. Je suis hors de ça, et on va relancer. Et encore Anubis. Mais what the fuck? Mais j'en veux pas de votre game. J'en veux pas, mais what? Salut. Et vous savez ce qu'on va faire? On va attendre un petit peu avant de relancer, histoire de pas retomber dans la même. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une vidéo dans le mode Lucio Ball. Vous savez qui on va prendre? On va partir sur un Zenyatta. On porte nos couilles. On joue le soutien. On joue le healer. Mais le healer qui va faire du kill, croyez-moi. Le Zenyatta de compétition qui vient de sortir. Allez, on saute. Ouais, tous ensemble les copains. Allez, on reste groupés. On est en équipe. On est bien. Le Doomfist. Il est mort. Vous le connaissez, le Zenyatta de compétition? Vous le connaissez, le Boosty de compétition avec le Zenyatta là? Vous le connaissez ou quoi? Aïe. J'ai pris une grosse tas de pas et putain, je suis mort. Allez, on y croit toujours. Rien n'est joué. On est là, on est chaud. On joue le Zenyatta. Bah viens, Rodog, viens. Allez, viens avec tes grosses fesses là. Hein? Et toi là, avec tes gros muscles là, hein? Voilà, reste à terre, c'est bien. Et toi là, avec tes grosses bottes et ton gros glaçon, hein? Ouais, c'est ça, ouais, fais un mur, c'est bien. Elle est à 1 PV la Mei. Oh là là. Oh là là. Oh non. Yes! Je l'ai eu. La Mei qui va pas tarder à se manger la rafale dans la gueule. On utilise la transcendance pour rester en vie. Et voilà. Eh, hey, ils font le taf aussi, mes coéquipiers. Ça fait plaisir à voir, ça. Et voilà le Genji qui dash au bon moment. Mais c'est bien sûr le Rodog qui est Discord qui va pas tarder à tomber. Il va fondre comme neige sous le soleil. Comme neige. Neige du tropique. Et vous allez voir que je n'ai pas peur de lui. Que c'est plutôt lui qui a peur de moi. Tu as peur de moi avec tes fesses. Et moi j'ai peur de Doomfist avec son poing, voilà. Le Zenyatta. Oh là là. Oh là là, ils ont tous sauté. Oh le pauvre. Il s'est fait démonter. Oh mais. Oh non, j'ai sauté au mauvais endroit. Au mauvais moment. Non. Bon bah salut hein. Putain. On est plutôt bien placé là en hauteur les gars. Il y a moyen de faire quelque chose de bien. Oh non, non. Putain, j'étais pas loin d'avoir ma transcendance. Il y a 15, 11, 16, 11. Putain, c'est chaud. Le moindre kill est important. Voilà pourquoi il faut que je le fasse. Et non. Allez, tuez-le. On peut le faire, les gars. Non. Genre, je l'ai pas sauvé, quoi. Oh là là, cette violence. Je pense que la victoire elle va être compliquée, hein. Voilà, on a fait le nettoyage ici. C'est plutôt pas mal, en fait. Il y a 20 à 15. C'est toujours faisable, les copains. Oh, c'est chaud, ça. 5 victimes pour gagner. Ça veut dire que c'est bientôt fini, là. Non, tu vas pas m'avoir. Ah non, mais je me sens seul. Allez, il a fait une erreur. Le McCree qui va pas faire long feu. Étant donné que la rafale dans sa gueule et le coup de babouche. Oh putain. Allez, Rodog, allez, j'arrive. Reste en vie, j'arrive. Non. Le sauvetage de la fin n'aura pas eu lieu, les copains. Et malheureusement, c'est sur cette défaite qu'on va se quitter. Bilan de ce qui vient de se passer. Donc, on n'a que fait de gagner. Grosse victoire à chacune des parties. On a vraiment carry les games. C'était énorme. Et faut tout mettre à l'inverse de ce que je viens de dire pour trouver la vérité. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. C'est dit de manière blédard. Bref, on a tout perdu. Oui, on a tout perdu. Voilà. Mais, on va se rattraper un jour. Pourquoi pas, peut-être dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, là, on va se quitter. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller me suivre sur Facebook et Twitter. Tous les liens sont en description. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez plein de likes sur cette vidéo si jamais vous voulez plus d'Overwatch et si la vidéo vous a plu. Je compte énormément sur vous. Pour ma part, ce sera tout. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Allez, ciao et bordel de merde. Quand je rec pas, eh ben je fais des parties bien meilleures. Voilà, ça c'est dit et j'ai envie de couper pas. Vous coupez pas la vidéo, revenez.